Jésus, c'est un homme. Pilate a dit, voici l'homme. Il n'a pas dit, voici Dieu. Mais cet homme n'a pas que l'identité d'homme, il a aussi l'identité de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Quand tu écris Jésus-Christ sans trait d'union, tu fais une grosse faute. Les deux entités sont complémentaires. Il est un homme et il est Dieu. Vous ne pouvez pas engager le nom de Jésus sans avoir Christ en vous. Christ est en vous. Le couteau ne coupe pas. Quand tu prends le couteau, tu mets dans la main de quelqu'un, tu dis « couteau coupe », le couteau ne coupera pas. Ni la main de la personne et le couteau ne peut pas couper. Finalement, qu'est-ce qui coupe la viande? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force qui est dans la main qui coupe. Et cette force-là, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Il faut avoir le Christ en toi pour que le nom de Jésus, qui est un instrument, puisse fonctionner. Tant que tu n'as pas Christ en toi, le nom de Jésus ne rimera pas du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous répétez 10 000 fois le nom de Jésus, les démons vous rient au nez. Parce que Satan, il sait très bien, si Christ n'est pas en toi, il sait. Lui-là, c'est un tonneau vide. Lui-là, il est avec nous. Lui-là, il n'a rien en lui. Et il ne peut pas avoir peur de toi parce que Christ n'est pas en toi.